Bonjour, bonjour et bienvenue sur ce live d'esthétique. Nous sommes en compagnie de Camille. Bonjour Camille. Bonjour à tous. Bonjour à tous, nous sommes avec Lorraine. Là vous avez échangé un peu les rôles, je ne sais pas si vous avez suivi le live coiffure de ce matin. Bah, c'était l'inverse en fait, c'était Lorraine qui était en train de mettre des jolies attaches en Père Noël à Camille, qui lui en veut et donc maintenant qui va se venger, hein, c'est ça je crois. Voilà, je vais me venger sur le maquillage aujourd'hui. Et nous avons Émilie donc, qui est là, professeure d'esthétique. Bonjour à tous. Ben bonjour à tous, on va voir quoi Camille aujourd'hui? Alors aujourd'hui on voit le maquillage jour qu'on va transformer en maquillage soir. Très bien, on regarde un extrait de cours tout de suite. Une fois les deux yeux travaillés, demandez au modèle de regarder devant elle. Prenez le recul nécessaire pour juger votre travail. Il faut que les deux yeux soient symétriques. Votre structure doit être colorée et naturelle car nous sommes en maquillage jour. Je poursuis le travail des yeux en appliquant un ratil supérieur et inférieur. J'utilise mon pinceau biseauté et j'applique ma couleur chocolat au niveau du ratil. La pointe de mon pinceau biseauté doit être en coin externe de l'œil. Cette technique permet de souligner le regard. Alors, on me dit qu'il y a un petit problème de son, un petit écho, donc on va voir si on peut le rétablir. Là, c'est bon ? Voilà, Julie me dit que c'est bon. Donc, confirmez-nous que tout va bien au niveau du son et on peut y aller quand vous voulez. Vous allez nous présenter quoi aujourd'hui, alors Camille, donc la tablette ? Alors, on va commencer effectivement par présenter la tablette. Donc, pour le maquillage, donc on n'oublie pas bien sûr qu'on commence par se laver les mains. On fait également l'asepsie des mains, ce que je vais faire tout de suite. On dit bonjour à tout le monde, évidemment. Vous êtes nombreux déjà sur la plateforme. Bah oui, bien sûr. Vous êtes très nombreux sur la plateforme. On vous rappelle que ce live sera en replay sur la plateforme YouSchool dans les informations générales, sur notre compte YouTube et sur notre compte Facebook Esthétique, YouSchool Esthétique. Ah, ça fait plaisir. Il y a plein de noms de la plateforme. Alors, on a qui, Émilie ? Alors, on a Maïva, Lucia, Jessica, Amélia, Cassandra, tout est en A, Roxane, Laura... Alors, attendez, on a prof Julia, on en profite, on lui fait un petit coucou quand même. Bonjour prof Julia. Aude, Félicia, enfin voilà, vous êtes vraiment beaucoup, donc on est vraiment ravis de vous retrouver en tout cas. C'est le moment de poser toutes vos questions, hein. C'est maintenant ou jamais, enfin non pas maintenant ou jamais en réalité, parce que vous pouvez continuer de les poser sur la plateforme, mais bon, c'était histoire de donner un peu de piment à ce live, donc c'est maintenant en tout cas. C'est parti pour la présentation de la tablette, Camille. Alors, pour la prestation donc, de maquillage le jour de l'examen, déjà... Habituellement, comme d'habitude pour le poste de travail, on va retrouver la poubelle, nos lingettes, l'alcool, aseptique pour les mains. On va également aujourd'hui avoir le nettoyant pour les pinceaux, important pendant l'épreuve de maquillage. Les coupelles, consommables, donc mouchoir, coton. Aujourd'hui, donc on a ajouté en consommable des éponges jetables pour le teint. Vous allez retrouver l'intégralité des pinceaux, des produits qu'on a disposés, donc les crayons dans le support à pinceau et puis tous les produits en dessous de la tablette. Donc je vais commencer par désinfecter l'intégralité de mon matériel. Mais faites donc. Alors du coup, on va en profiter pendant ce temps-là, prof Camille, pour remercier bien sûr Bleu Libellule qui nous a fait un envoi de produits de maquillage pour ce live. On remercie également Peggy Sage pour la blouse. Voilà, on a de nombreux partenaires et on les remercie vraiment. Et on rappelle que ces partenaires donc permettent aussi et surtout aux étudiants YouSchool de se fournir en matériel à prix réduit. C'est ça, tout à fait. Ce sont des kits en fait qui sont proposés sur la plateforme, des kits qui ont été en fait négociés et remisés spécialement pour les élèves YouSchool. C'est simple, vous pouvez pas trouver mieux sur le marché. Donc voilà. Inscrivez-vous sur YouSchool et vous aurez en plus d'une super formation et le fait d'obtenir le CAP. Avec brio et une grande aide, et bien des produits pas chers. Et surtout recevables le jour de l'examen, c'est extrêmement important. Ah bah oui, bien sûr. D'ailleurs, pendant que Camille finit sa préparation de tablette, Émilie, est-ce que vous pouvez nous rappeler pour les étudiants ou ceux qui ne sont pas encore étudiants en YouSchool, justement, qu'est-ce que c'est YouSchool, à qui ça s'adresse, ça permet quoi et comment c'est fait? D'accord, très bien. Alors c'est parti. Donc YouSchool, c'est donc un réseau social. C'est donc une plateforme très interactive, très moderne, qui vous permet de poster vos vidéos, de poser toutes vos questions en lien, donc d'un point de vue théorique, pratique, etc. Voilà, vous avez de nombreux défis qui vous permettent de pouvoir remporter des cadeaux.
Hein, ça, c'est assez régulier sur la plateforme. Ça s'adresse à tout le monde, que l'on soit en activité, que l'on soit à la maison. On peut d'ailleurs utiliser son CPF pour se faire financer la formation à 100%. Voilà, ça peut aller jusqu'à 100%. Ouais, pour ceux qui sont en reconversion et qui ont cotisé pour le CPF, ça peut aller jusqu'à 100%. Donc exactement. La formation, vous ne payez rien. Et vous avez donc 3 ans d'accès à la plateforme. Alors, cela veut dire que si toutefois, voilà, vous avez votre examen au bout de la première année, eh bien, sachez que vous pouvez toujours accéder à la plateforme pendant les 2 autres années afin de vous perfectionner. Voilà. Et le but, hein, évidemment, c'est une plateforme, un réseau social, mais le but, c'est avant tout de passer et d'avoir son CAP. Exactement. Hein, esthétique, évidemment. Tout à fait. Je remercie Quentin Siméao de dire que j'ai une belle voix. Merci, Quentin Siméao. On y va, Camille. Alors maintenant, on va donc regarder l'installation du modèle. Donc on vous rappelle que cette épreuve fait partie de l'EP1. Donc la prestation maquillage va être réalisée après le soin du visage. Donc du coup, on n'oublie pas de redresser le dossier de notre table de façon à avoir le modèle en position semi-assise. On peut demander au modèle de remettre un t-shirt noir ou un chemisier noir pour le maquillage. Ce sera plus joli pour le rendu final après avec les jurys. On peut lui détacher les cheveux également, de façon à libérer les cheveux, enlever le bandeau, etc. Je prends des mouchoirs que je vais disposer au niveau du col pour protéger du coup son chemisier. Et le deuxième. Voilà, pas évident avec le col, mais on essaie de faire ça le plus joliment possible. Voilà, on n'oublie pas également de bien remettre sa serviette, de toujours disposer sa serviette de façon à ce que le modèle soit confortablement installé. Alors, on va pouvoir commencer. Émilie me fait signe. Est-ce qu'on peut peut-être remonter le modèle, je ne sais pas, afin qu'on la voit mieux. Je ne sais pas si c'est possible. Mettre un coussin. Ah, parfait. Voilà. Comme ça, on va mieux voir la prestation. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Oui. C'est fantastique. Super. Merci. Donc, on va pouvoir commencer donc notre épreuve de maquillage. On va commencer par le maquillage jour. Tout d'abord, on commence par travailler le teint. Donc le teint, ça comporte quoi? Ça comporte la base. Éventuellement, c'est optionnel le jour de l'examen. Pourquoi? Parce que vous allez faire le maquillage juste après le soin du visage. Pour le soin du visage, on va déjà avoir appliqué les crèmes de fin de soin, qui comprend donc le sérum, la crème hydratante. Donc c'est pas obligé, on n'est pas obligé de remettre la base. La base, elle sert à quoi? Elle sert à préparer le teint, à recevoir donc le fond de teint, tout simplement. Ça va permettre d'avoir une meilleure tenue du fond de teint dans le temps et aussi corriger, les premiers défauts du visage, c'est-à-dire les brillances ou les problèmes de luminosité au niveau du teint. Par exemple, les teints qui sont un petit peu jaunes, on va venir appliquer des correcteurs grâce à cette base-là. Et ensuite, on va travailler avec le fond de teint. Donc nous, on va démarrer directement par le fond de teint puisqu'elle a déjà appliqué une crème hydratante. Donc pour le maquillage jour, on rappelle, c'est un fond de teint liquide qu'il faut utiliser. Donc on prend son fond de teint et on vient l'appliquer dans une coupelle. Hop, voilà. On essaie de ne pas en mettre partout, comme ce que je viens de faire, hein, bien sûr. Ça peut arriver, hein, Camille. Hop. Voilà. Alors du coup, on va en profiter, on va déjà répondre à quelques questions, même si prof Julia, voilà... Déjà beaucoup de questions. Beaucoup, hein. Beaucoup de questions. Vous êtes très, très nombreux. Ça défile. Ça va, Julia, nous soulage là-dessus. Alors, donc, on a une question de Christelle. Pour le jour de l'examen, peut-on appliquer au pinceau pour le teint ou faut-il des éponges jetables? Eh bien, Christelle, c'est comme vous le souhaitez. C'est-à-dire que vous pouvez très bien appliquer votre fond de teint avec un pinceau spécifique ou même, pour celles qui le souhaitent, l'application au doigt ou à l'éponge.
Ensuite, nous avons une question de Ashley qui nous demande quelle marque je dois apporter le jour de l'examen. Alors, il faut que vous sachiez que effectivement, il faut privilégier des marques professionnelles pour tout ce qui est produits de soins, visage, mains et pieds. En revanche, pour le maquillage et les vernis à ongles, vous pouvez prendre les marques de votre choix. Alors, pour l'application du teint, comme l'a dit prof Émilie, vous pouvez utiliser des éponges jetables ou un pinceau fond de teint. Après, ça va être selon vos préférences. Là, aujourd'hui, moi, j'ai décidé d'utiliser l'éponge jetable. Donc, on applique le teint, des touches de teint sur l'intégralité du visage et on vient tapoter pour uniformiser. Donc, le fond de teint, il va permettre vraiment d'uniformiser le teint. Il va corriger les premiers défauts du visage, en l'occurrence les cernes, par exemple, ou les petites imperfections, les boutons, les petites rougeurs, etc. Alors, donc nous avons une question de Yeka. Je suis désolée si j'écorche votre prénom, je ne sais pas. C'est obligatoire de commencer par le teint ou est-ce que je peux toujours... Je commence toujours par les cils et les yeux. Alors oui, le jour de l'examen, vous devez respecter l'ordre qui va vous être présenté, c'est-à-dire application de base, le fond de teint, le travail des sourcils, le travail des yeux, et on terminera par le travail de la bouche. C'est obligatoire. Alors pour le teint, il y a deux options au niveau des étapes. Vous pouvez commencer, comme moi je suis en train de le faire, par le fond de teint, et ensuite faire vos corrections, ou vous pouvez commencer par les corrections et ensuite par le fond de teint. Voilà, les deux options sont possibles le jour de l'examen. Alors, quand on a fini à peu près de l'appliquer sur l'ensemble du visage, au niveau de l'ovale du visage, on ne va pas venir ajouter de matière au niveau du cou, on va juste étirer l'application qu'on a fait au niveau de l'ovale, de façon à l'estomper un petit peu au niveau du cou, pour éviter les démarcations. On rappelle que le jour de l'examen, demandez à votre modèle de prendre son propre fond de teint. Vous le testez la veille pour être sûr de la couleur. Mais voilà, au moins comme ça, il n'y a pas de panique le jour de l'examen à tester vos fonds de teint et à savoir lequel utiliser. Alors pour les yeux, c'est pareil, je ne vais pas reprendre de matière. Je vais juste lui demander de regarder vers le haut. On va venir en mettre un petit peu sur le dessous de l'œil. Émilie, je crois que vous aviez une suggestion. Oui, en fait, je rejoins les propos de prof Camille, c'est-à-dire qu'en fait, vous devez impérativement essayer de gagner du temps le jour J, c'est-à-dire qu'il faut, par anticipation, choisir et tester tous les produits de maquillage. En fait, il n'y a pas de découverte le jour J, hein. Surtout, c'est extrêmement important. Vous devez connaître vos textures, vos couleurs, vos pinceaux, etc. Hein. Voilà, il faut vraiment être très vigilante là-dessus. Alors oui, je vois plusieurs questions passer. Oui, PBI distribue des marques professionnelles, tout comme le souligne prof Julia sur le chat. Ensuite, on a une question de Cindy qui nous dit « Peut-on laisser le modèle en paréo le jour de l'examen ?» Eh bien, Cindy, oui, c'est possible. En revanche, comme l'expliquait prof Camille tout à l'heure, il est vrai que le fait de lui remettre un haut noir permet de mettre en valeur tout type de couleur pour le jour J. Hein, après, si vous n'avez pas le temps, c'est pas très grave. En revanche, voilà, vous pouvez prévoir un petit top noir, sinon ça va aussi. Voilà, donc le fond de teint est terminé. Je vais pouvoir maintenant passer aux corrections. Donc pour cela, je prends la palette juste ici. Donc on vous rappelle qu'il ne faut jamais prélever directement dans vos produits. On vient toujours prélever ou avec une spatule lorsque on a, par exemple, ici des produits gras comme les correcteurs. On prélève avec la spatule et ensuite on vient avec notre pinceau utiliser le produit. Donc pour Lorraine, hop. Donc juste un petit peu, c'est pas la peine d'en prendre de trop. Et on va venir prendre un petit pinceau, donc pas trop gros. Voilà, juste là. Alors, les corrections, vous pouvez les faire au niveau de la cerne. Donc, on applique un petit peu de produit. Voilà, moi, j'applique le produit, je le travaille un petit peu. Et je termine avec le doigt. Ça va permettre de venir chauffer la matière et l'estomper pour la fondre au fond de teint.
J'ai une préférence pour les corrections après le fond de teint, tout simplement parce que le fond de teint va déjà corriger un petit peu les cernes, les rougeurs. Donc, en fait, ça nous fait gagner du temps le jour J. On n'a pas besoin de venir faire trop de corrections. Émilie ? Oui. Alors, moi, je vois plein de choses passer, défiler. Alors, ça s'accumule. En fait, on a une question qui est assez récurrente, qui est combien de temps nous avons le jour de l'examen pour maquiller ? Eh bien, en fait, je vous rappelle que le P1, si vous voulez, c'est une épreuve de 2h45, où vous commencez par une épreuve, donc une partie écrite de 45 minutes. À l'issue de ces 45 minutes, vous rendez votre copie. Et puis, vous pouvez commencer l'épreuve de pratique en elle-même, c'est-à-dire qu'elle dure 2 heures. Vous aurez une technique de soin des mains ou des pieds, un soin visage et un maquillage. Donc en fait, c'est à vous de gérer votre temps et de combiner les prestations entre elles. Donc plus vous avancez rapidement, plus vous aurez de temps pour réaliser un maquillage. Encore une fois, on considère effectivement, Julia vous l'a noté, c'est à peu près 15 minutes pour un maquillage flash, 20 minutes pour un maquillage jour et grand max, on va dire, 45 minutes pour un maquillage soir. En règle générale, vous avez du mal à avoir ce temps-là le jour J. Donc voilà, c'est l'entraînement qui vous permettra vraiment de gagner du temps et d'avoir plus de temps pour réaliser un maquillage. Voilà, donc là, je termine mes corrections. Donc, j'ai fait le dessous de l'œil au niveau de la cerne. On n'oublie pas le coin interne qui est souvent un point sombre. Au niveau des maquillages, j'aime bien moi souligner le dessous du sourcil également. Voilà, juste une petite ligne pour les redessiner. Et on peut faire également au niveau des commissures, redessiner le contour des lèvres si on le souhaite. Alors maintenant que mon teint est fait, je vais à présent le poudrer. Le poudrer, à quoi ça va servir? Ça va tout simplement servir à fixer le fond de teint et à matifier la zone puisque le fond de teint est une texture grasse. Donc pour cela, j'ai une poudre libre que je vais venir mettre dans ma coupelle. Alors nous avons une question de Jessica qui nous dit « En général, on a plus facilement un maquillage de jour ou cela dépend du sujet ?» Alors c'est très varié, Jessica. Voilà, il y a autant de maquillage flash que de maquillage jour, que de maquillage soir ou de mariée. Donc là, on n'a pas de pronostic là-dessus. Encore une fois, de toute façon, toutes les données seront indiquées sur le sujet concernant la couleur des cheveux, des yeux, voire même de l'habillement, de la tenue. Alors pour la poudre, vous avez deux options. Ou l'appliquer avec le pinceau poudre. Là, on va avoir une application plutôt fine. Donc, pour un maquillage jour, c'est idéal. Sinon, vous pouvez utiliser une houppette comme ceci. Moi, j'aime bien l'utiliser quand c'est un maquillage un petit peu plus sophistiqué. Donc, un maquillage soir parce que ça va venir mettre... ça va appliquer la poudre un petit peu plus... en couche un peu plus épaisse, on va dire. Donc, oui, ça va... Le rendu est plus sophistiqué. Ça incruste davantage voilà, en fait, exactement. La poudre sur le teint. Donc, on va avoir un teint avec un rendu plus travaillé. Donc, on fait attention avec la poudre libre de ne pas en mettre partout. Et on va commencer par le bas du visage. Nous avons de nouveau une question de Jessica qui nous dit « Donc, on ne peut pas choisir le maquillage à l'avance pour notre modèle. » Non. Ça dépend du sujet. En revanche, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez bien sûr tester toutes vos palettes de fards afin de ne pas vous faire surprendre le jour de l'examen. Alors, la poudre, je commence du bas vers le haut. Pourquoi ? Parce que, surtout avec la poudre libre, quand on va commencer par le front, il y a de la matière qui va venir se déposer. Et en fait, au niveau du contour des yeux, en fait, la matière va venir s'incruster dans les stries. Donc, on va avoir besoin de venir relisser le teint et la correction qu'on a fait de façon à pouvoir venir ensuite poudrer. Donc, on préfère commencer par le bas et ensuite, on vient relisser. Donc, tu peux fermer tes yeux. Voilà, de chaque côté. Regarde vers le haut. Voilà, et ensuite, on vient poudrer. Donc Jessica nous demande, il faut combien de palettes différentes pour l'examen ? Alors en fait, il est important que vous ayez une palette avec des tons chauds
et des tons froids. Prévoyez également des teintes légèrement irisées, mais en règle générale, quand vous achetez des palettes, il y a toujours un mix entre des teintes mates et des teintes légèrement irisées. C'est important. On le rappelle, hein, il y a un module qui va sortir, un maquillage professionnel. Il va sortir quand exactement, Émilie ? Écoutez, bonne question. Je pense qu'on est plutôt sur fin janvier. Fin janvier, ouais. Voilà. Maquillage professionnel. C'est ça. Donc, dans le maquillage professionnel, on voit quoi exactement ? Bah, écoutez, on a tourné Jérémy récemment. Maquillage télé. Maquillage télé, maquillage homme, FX, artistique. FX, donc c'est pour les effets spéciaux. C'est bluffant. Exactement, ouais, c'est bluffant. C'est pour Halloween, c'est incroyable. Mais là, on n'est pas sur du Halloween, là, on est sur du maquillage de cinéma. Ouais, complètement. Voilà, maquillage cocktail, maquillage sophistiqué, maquillage soirée d'exception. Donc, non, c'est un superbe module qui va arriver. Donc, on a fait appel à un maquilleur professionnel pour l'occasion, Axel, à qui on passe le bonjour. Ouais, voilà. Alors, une fois la poudre appliquée, on va pas tout de suite venir mettre le blush. Pourquoi ? Parce que quand on va venir travailler les yeux, l'intensité va varier. C'est-à-dire que si j'applique le blush tout de suite, mon teint est totalement uni. Donc, je vais avoir tendance à en mettre un tout petit peu puisque tout de suite, ça va ressortir. Quand on va avoir terminé le maquillage des yeux, l'intensité va être projetée sur les yeux et on va oublier le blush. Donc, on privilégie de passer le blush plutôt à la fin, une fois qu'on aura terminé le maquillage au niveau des yeux. Donc là, je vais passer aux sourcils. Donc, correction des sourcils. On vient brosser dans le sens contraire, on brosse poil et on revient lisser. Donc, on débarrasse les sourcils de toutes les, voilà, le fond de teint, les poudres. On rappelle que à l'application du fond de teint, on évite d'en mettre au niveau des sourcils. Hop, voilà. Pour la correction des sourcils, on prend notre goupillon et on va venir faire nos points de repère. Premier point de repère, le coin externe. Donc, on démarre du nez, coin externe de l'œil. Hop, ça nous donne donc la finalité du sourcil. Deuxième point, ça va être sur l'intérieur de l'œil cette fois-ci. Et là, ça va nous donner le point de départ. Donc là, on peut s'aider avec un crayon. Quand on fait nos points de repère, venir faire un tout petit point. Voilà, pour se souvenir de nos indicateurs. Pour la fin du sourcil, on cherche toujours à aller plutôt vers le haut, de façon à toujours agrandir le regard. Si vous faites un point qui est trop bas, par exemple ici, on va avoir tendance à faire retomber le sourcil et ça ne va pas être joli sur le rendu final. Troisième point, le dernier, cette fois-ci, on va dire au modèle de regarder bien devant elle et on va venir se mettre en fait au niveau de sa pupille et ça va nous donner la cassure juste là de notre sourcil. Voilà. Ensuite, pour la correction, plusieurs possibilités. On peut utiliser un crayon à sourcils, un crayon brun, châtain, on s'adapte toujours au modèle. Ou on peut utiliser des fards. Voilà, pour le maquillage jour, on aura tendance à utiliser des fards puisque c'est plus doux. Et pour un maquillage soir, on a besoin de structurer davantage, on va utiliser plutôt le crayon. Donc là, moi, je vais utiliser le crayon aujourd'hui. Donc, on fait un tout petit peu de correction. Vraiment pas beaucoup parce qu'elle a déjà une belle ligne de sourcils. Donc, c'est vraiment pour redonner de la symétrie, corriger éventuellement s'il manque des zones où il y a des poils. Et on s'aide toujours de notre goupillon pour estomper le marquage. Alors, on va en profiter pour répondre à quelques questions, prof Camille. Donc, nous avons Sandy qui nous demande, j'ai une mallette complète avec énormément de maquillage de plusieurs marques, de type Sephora, NYX, etc. Est-ce que je peux la prendre pour l'examen ou est-ce que je suis obligée de tout racheter avec les partenaires ? Non, aucun souci, Sandy, vous pouvez sans problème utiliser vos palettes de fards, Sephora, etc. Il n'y a de toute façon aucune obligation d'achat avec nos partenaires. Hein. Nous ne faisons que des suggestions, des propositions à nos étudiants. Mais voilà, on n'a pas de rétribution avec eux, donc c'est à vous de voir voilà, ce avec quoi vous avez envie de travailler. Nous avons une question de Julie qui nous demande « Peut-on piocher dans plusieurs palettes de fards pour les paupières ou devons-nous utiliser seulement une seule palette ?» Non, bien sûr, vous pouvez, voilà. Alors, c'est vrai que les tablettes ne sont pas non plus extrêmement grandes le jour de l'examen, donc il ne vous faut pas non plus, j'ai envie de dire, 5-6 palettes, ce n'est pas jouable. En revanche, si vous en avez 2 à 3, ça ira parfaitement.
Et d'ailleurs, le petit conseil qu'on peut donner, c'est qu'à la lecture du sujet, si vous voyez que du coup, le sujet, par exemple, est dans les tons chauds, vous pouvez déjà, en fait, trier un petit peu votre tablette et l'aérer en rangeant, par exemple, toutes les tonalités froides, ce qui vous laissera voilà, plus d'espace pour pratiquer. Voilà, donc le travail des sourcils est maintenant terminé. On va pouvoir maintenant travailler les yeux. Donc pour les yeux, dans un maquillage jour, on vous rappelle, on n'utilise que des fards mat, pas d'irisé. L'irisé va être réservé plutôt pour le maquillage marié ou éventuellement une touche d'irisé sur un maquillage soir. Par exemple, si vous avez un sujet qui demande un maquillage événementiel, par exemple, ou pour une soirée, quelque chose comme ceci. Donc là, pour le maquillage jour, pas trop d'intensité, on va utiliser plutôt des couleurs douces. Donc, je prends ma palette de fard. Alors, comment je procède pour le maquillage jour? Je vais sélectionner deux couleurs. Je crois qu'il y a quelqu'un qui coupe un arbre. Hein, c'est bientôt Noël. Je ne sais pas si on m'entend toujours, du coup. On s'est dit, c'est une moto, ça va passer. Non, c'est un bûcheron. Alors, du coup, pour mon maquillage, donc, moi, je vais utiliser trois pinceaux. Un premier pinceau pour ma couleur claire, un pinceau plutôt large, puisqu'on va venir l'appliquer sur quasi l'intégralité de ma paupière. On va monter un petit peu également. Donc, pinceau plutôt large. Deuxième pinceau pour appliquer ma couleur intermédiaire, donc que je vais mettre en coin externe de l'œil. Et le troisième pour venir dégrader les deux couleurs ensemble. Voilà, moi, j'aime bien utiliser un pinceau à part. Ça évite, en fait, de mettre trop de matière. Quand on dépose avec la deuxième couleur, quand on dégrade, des fois, on se perd un petit peu. Et voilà, moi, j'aime bien utiliser un troisième pinceau. Donc, je commence par ma couleur claire. Donc, je vais utiliser le beige clair qui se trouve juste là. Et on va venir donc demander au modèle de fermer les yeux et l'appliquer sur les trois quarts de la paupière mobile. On peut monter un petit peu au-dessus, au niveau du creux de la paupière mobile. Le pli palpébral. Alors, on peut rappeler effectivement que dans le travail du dégradé des yeux, on garde toujours en tête que le coin interne de l'œil doit être une zone claire, le bombé plutôt une couleur intermédiaire et le coin externe doit être en couleur foncée. Exactement. D'accord ? Le but, c'est d'essayer de structurer le regard et d'apporter de la couleur. Alors, ce que j'aime faire également quand j'applique ma couleur claire, c'est venir déborder légèrement au niveau du coin interne de l'œil. C'est toujours une zone sombre, donc ça va permettre de venir apporter de la luminosité supplémentaire. Donc on applique bien. Voilà, sur nos trois quarts de paupières. Très bien. Et on va venir maintenant prendre le deuxième pinceau et travailler donc avec la deuxième couleur. Cette fois-ci, j'ai choisi le rouge qui se trouve juste là. Alors là, pas besoin d'en prélever beaucoup. Hein. Si vous avez un fard qui pigmente bien, on prélève un petit peu. Moi, j'ai toujours le réflexe de venir tapoter légèrement pour enlever le surplus. Ça évite d'avoir des chutes après quand on va venir travailler le fard sur la paupière. Et là, on vient poser notre fard sur le coin externe. On le dépose légèrement en diagonale. C'est-à-dire, on va le ramener légèrement en diagonale vers l'intérieur de l'œil. Pourquoi ? Parce que quand on va venir le dégrader avec notre troisième pinceau, en fait, ça va se fondre. Ça va se fondre davantage à notre couleur claire et ça va éviter cet effet barre qu'on voit souvent sur les dégradés, cette barre toute droite. Donc là, le fait de l'appliquer légèrement en diagonale, ça va donner un rendu beaucoup plus joli, plus fondu. On remet un petit peu de matière et on travaille vraiment uniquement au niveau de la jonction. Voilà. On vient fondre notre couleur foncée à notre couleur claire. On ne travaille pas trop non plus le dégradé. On ne vient pas, surtout pas tout travailler d'un seul bloc, sinon vous allez dénaturer votre fard et au final, le rendu, la couleur va pas être très jolie, ça va devenir très fade. Donc, on ne travaille pas trop, voilà, juste et légèrement sur le coin externe pour le fondre à la peau.
Du coup, prof Camille, j'en profite. Nous avons quelques questions. Nous avons Anaïs qui nous demande, on ne peut pas sortir au fur et à mesure de notre mallette en fonction du moment de l'examen. Alors, elle fait référence à ce que je donnais comme conseil tout à l'heure, le fait de ranger au fur et à mesure. On vous rappelle que vous avez la possibilité d'avoir soit un sac ou un petit bac très joli, très esthétique sous le lit, ce qui vous permet de décharger votre tablette au fur et à mesure de l'épreuve. Donc, vous ne ferez pas l'inverse, non, vous installerez tout pour démarrer, puis vous allégerez au fur et à mesure et non l'inverse. Ensuite, nous avons Mélanie, je pense. On peut commencer le maquillage par le coin interne. Oui, c'est exactement ce que prof Camille vous a démontré, effectivement. Alors, je ne sais pas si vous vouliez dire interne ou externe. Et nous avons Sandy qui nous demande, pour éviter d'avoir des chutes de poudre sur les pommettes, est-ce qu'on peut mettre un mouchoir en dessous? Alors, non, nous, on ne met pas de mouchoir. Non. Non, éventuellement, mais ça Camille vous le montrera tout à l'heure en maquillage soir, éventuellement, on pourrait mettre une sorte de petite surépaisseur de poudre translucide afin de récupérer tous les pigments foncés et après, avec un seul coup de pinceau, tout se retire. Mais pas de mouchoir en tout cas, Sandy. Voilà, donc ensuite, je vérifie bien la symétrie entre les deux yeux et je vais venir corriger mes deux dégradés de façon à avoir une symétrie parfaite sur l'œil gauche et l'œil droit. Donc là, par exemple, je l'ai travaillé un petit peu plus en interne, donc c'est pas grave. Je reprends un petit peu de pigment, je l'applique sur l'autre œil et je refonds la matière. Alors, tu peux ouvrir les yeux. N'hésitez pas à demander au modèle d'ouvrir les yeux de façon à avoir le rendu final aussi œil ouvert parce que parfois, on n'a pas la même vision, surtout pour le dégradé. Au niveau du creux de la paupière, ça donne pas du tout la même chose œil ouvert et œil fermé. Alors, nous avons une question d'Ashley qui nous demande « Est-ce que je peux m'asseoir pour faire les maquillages ou est-ce que je dois rester debout ?» Eh bien oui, vous allez devoir rester debout, Ashley, effectivement. En fait, les seules prestations où vous pouvez vous asseoir, c'est pour la technique de soin des mains, la manucurie, la beauté des pieds. Ensuite, est-ce qu'avec la crise sanitaire, doit-on porter des gants et une visière le jour de l'examen ? Eh bien donc, les gants, non. Et en concernant la visière, eh bien, ce sera tout simplement stipulé sur votre convocation. Effectivement, certains centres d'examen exigeaient l'année dernière le port du masque plus la visière. En effet, oui. Et on a même vu des fois plus des gants. Oui. Ah, c'est pour les Alors, c'est pas évident. C'est pas évident, donc, même le soin visage, mais malheureusement, on est obligé de s'adapter en fait aux contraintes sanitaires. Voilà. Le mieux, c'est qu'on vous conseille de vous entraîner avec des gants au cas où, si ça s'arrange pas d'ici là, exercez-vous à la maison à travailler avec des gants parce que c'est pas du tout la même chose. C'est voilà, on touche pas la matière, donc vaut mieux ne pas être surpris pour le jour J. Alors, maintenant que le travail au niveau de la paupière mobile est terminé, je vais venir travailler le dessous de l'œil. Donc cette fois-ci, je vais lui demander de regarder vers le haut et je vais utiliser ma couleur foncée. Je vais utiliser un petit pinceau. Donc moi, j'ai utilisé un petit pinceau boule comme ceci, mais vous pouvez utiliser un pinceau biseauté. Voilà, c'est comme vous préférez. Et on vient travailler légèrement le dessous de l'œil au niveau du coin externe. Voilà, c'est simplement pour finir le dégradé. Voilà, c'est plus joli. Si vous avez donc une cliente avec une paupière un petit peu tombante, là, on va éviter de travailler le dessous de l'œil. Là, je le fais parce qu'elle a de grands yeux, Lorraine, donc on peut se permettre de le faire. Mais si vous avez une paupière tombante ou un œil qui tombe un petit peu vers le bas, on va éviter de le faire. Sinon, ça va accentuer ce côté fermé. Ouais, donc, c'est vraiment sur les deux coins externes. Je fais de même de l'autre côté. Très bien. Je reprends le pinceau de ma couleur claire et je vais venir le travailler pour dégrader en fait tout simplement ce que je viens d'appliquer légèrement sur le coin interne. Ça va donner encore une touche de lumière supplémentaire à notre maquillage. Voilà, ça permet de corriger un petit peu, encore une fois, la symétrie entre les deux yeux. Alors, chose que vous pouvez faire également, c'est en mettre légèrement sous le sourcil,
sur la partie, vous voyez, qui retombe, en fait, au niveau de votre troisième point de repère. On va venir appliquer légèrement là où on a appliqué le correcteur, hein, tout simplement, pour apporter une touche de lumière supplémentaire. Voilà, c'est parfait. Maintenant que le travail du dégradé est fini, on va pouvoir venir souligner le ras de cils. Pour cela, je prends un crayon Kohl pour les yeux. Je vais demander à ma modèle de fermer les yeux et je vais venir l'appliquer en ras de cils. Donc, on va pas la peine de le mettre sur l'intégralité de la paupière. C'est un maquillage jour. Donc, le maquillage jour, on cherche simplement à donner un teint lumineux. Donc, on va le mettre sur le coin externe. Alors, on n'oublie pas, le jour de l'examen, il faut bien tailler vos crayons. Il faut que la mine soit parfaitement pointue pour pouvoir avoir un travail de précision. On étire un petit peu la paupière pour s'aider et on ramène le crayon vers l'intérieur. Voilà, on l'applique bien au ras de cils. Et ce que j'aime faire, c'est prendre un pinceau biseauté et venir travailler le crayon de façon à le fondre au dégradé. Ça va adoucir votre trait et ça va permettre de venir le travailler légèrement sur l'intérieur de l'œil pour avoir un joli fondu. Voilà, tu peux ouvrir les yeux. Très bien, on vérifie toujours œil ouvert. Et cette fois-ci, on va travailler le dessous de l'œil. On regarde vers le haut. Et encore une fois, au ras de cils. Voilà, on applique notre crayon et on revient travailler avec le pinceau biseauté. Pour fondre la matière, on ferme bien les deux traits. Voilà, c'est parfait. On fait de même du coup sur l'autre œil. Là, par rapport aux couleurs que j'ai choisies, j'ai utilisé le brun, mais vous pouvez utiliser un noir. Le noir, attention à ce qu'il ne marque pas trop. On ne cherche pas à avoir une intensité trop importante sur un maquillage jour. Mais voilà, c'est tout à fait possible d'utiliser un crayon noir pour faire le ras de cils. Tout dépend des couleurs que vous utilisez. Le but, c'est d'avoir quelque chose d'harmonieux. Alors, ouvre tes yeux. Super, regarde vers le haut. On fait attention lorsqu'on travaille sur nos points de ne pas trop venir abîmer le teint. On essaye d'avoir le moins d'appui possible sur le modèle. Idem, n'oubliez pas pour votre ergonomie de toujours bien vous placer au niveau du lit. Les lits, le jour de l'examen, sont facilement réglables. Vous avez souvent une manivelle, que ce soit en dessous ou sur le côté, pour régler la hauteur. Donc pour le maquillage, on se met bien à niveau. On n'hésite pas à descendre bas la table. Moi, je suis assez petite, donc je l'ai baissé au maximum et on se met vraiment, voilà, bien à hauteur. Faut que vous soyez à l'aise au maximum. Faut pas qu'on vous voit sur la pointe des pieds, complètement abaissé sur votre modèle. Ça vous faire perdre des points le jour de l'examen sur votre ergonomie. Alors, prof Camille, nous avons quelques questions. Nous avons Karine qui nous demande si on hésite sur la couleur du fard à paupières le jour J. Y a-t-il une couleur un peu joker qui est adaptée à tous les sujets? Adapté à tous Non, pas vraiment non. En fait, Karine. Et il faut que vous preniez en compte en fait les caractéristiques qui sont citées sur votre sujet. Et soit vous optez en fait pour, comment dirais-je, une harmonie de couleurs. Si par exemple, voilà, on vous parle de teintes chaudes dans les tons marronnés, voilà, vous pouvez opter pour cette possibilité. Vous vous rapprochez des teintes chaudes, orangées, terre de soleil, des choses comme ça. Ou bien justement, si on vous donne, je sais pas, votre cliente un tailleur
vert sapin, par exemple, quelque chose de très tranché comme ça. N'hésitez pas justement à jouer plutôt la neutralité au niveau des yeux et pourquoi pas opter pour la couleur complémentaire au niveau des lèvres, c'est-à-dire du rouge en fait. Donc vous voyez, il faut vraiment que vous arriviez à trouver un juste milieu. Ouais, il n'y a pas vraiment de couleur joker, il faut respecter le sujet vraiment. Exactement. Mmh. On évite bien sûr de faire du bleu avec du bleu. Oui, voilà. Voilà, on évite ce type de maquillage. On va attendre de vous que vous ayez quand même, qu'il y ait une petite prise de risque quand même. C'est-à-dire que si votre sujet dit vous avez une robe bleue, on va éviter de faire un maquillage bleu. Hein. Sinon, il n'y a pas beaucoup de prise de risque. Je sais que dans la panique, on va au simple. Mais voilà, n'hésitez pas à venir travailler. D'où l'important de beaucoup vous entraîner en amont. Venir travailler des couleurs osantes. Là, aujourd'hui, j'ai utilisé du rouge pour vous montrer que même avec du rouge, on peut faire quelque chose de joli. On peut avoir un maquillage jour qui soit totalement facile à porter. Et, voilà. Et n'oubliez pas de travailler les couleurs complémentaires. Voilà. Voilà, très important. Il faut vraiment connaître la théorie des couleurs et donc retrouver bien sûr tous les cours théoriques sur la plateforme. Mais c'est important que vous ayez voilà des petites astuces et des petits réflexes comme ça le jour de l'examen. Exactement. Alors, on va pouvoir terminer donc le travail des yeux avec le mascara, l'application du mascara. Donc, si vous pouvez utiliser un goupillon jetable, c'est mieux pour respecter l'hygiène. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. On va venir nettoyer. Donc la brosse du mascara pardon avec une lingette désinfectante et on va essayer de ne pas trop replonger notre mascara dedans. Donc moi j'en ai un aujourd'hui donc je vais l'utiliser. Donc pour l'application du mascara, je vais racler un petit peu. Attention à ce qu'il n'y ait pas trop de matière sur votre brosse pour éviter les paquets. Voilà. Donc pour le travail du mascara. On va venir demander au modèle de regarder vers le bas. On ne ferme pas entièrement les yeux. On va d'abord appliquer sur le dessus. Voilà. Puis, on soulève un petit peu la paupière et on travaille en dessous. Donc, dessus-dessous, de façon à bien gainer votre cil. Ça va donner un résultat beaucoup plus joli. Pourquoi ? Parce que ça va permettre d'enlever donc les éventuelles chutes de fard sur le dessus du cil et ça va permettre en fait de venir les rehausser. Le fait d'en mettre au-dessus et ensuite en dessous, ça les allonge et ça facilite. Ça les gaine complètement. Voilà, ça les gaine complètement. Englobés dessus-dessous. Donc ça permet de les figer littéralement et d'avoir une jolie courbure. Du moins, ça vous facilite largement le travail. Je ne reprends pas de matière, j'en ai suffisamment sur mon goupillon, donc je fais de même sur l'autre œil. Voilà, et en dessous. Voilà, c'est parfait. Alors, j'en profite juste pour répondre à une question. Alors attendez, elle vient de m'échapper. On parlait, voilà. C'est Anaïs qui nous demande qu'est-ce que vous appelez les couleurs complémentaires. Eh bien, en fait, les couleurs complémentaires, par exemple, la couleur complémentaire du bleu, c'est le orange. La couleur complémentaire du vert, c'est le rouge. Et le violet, c'est le jaune. Donc, en fait, il faut se servir de ces petites astuces pour mettre en valeur, en fait, votre maquillage le jour de l'examen. Voilà, donc pour terminer le travail du mascara, là, Lorraine a des très jolis cils au niveau du bas. Donc, on peut mettre, c'est comme vous le souhaitez, c'est pas obligatoire, mais on peut mettre une petite touche de mascara sur les cils du bas de façon à venir harmoniser l'ensemble du maquillage. Alors, on vient pas en travailler trop à l'intérieur parce que ça va avoir tendance à fermer votre œil. Donc, juste sur les coins externes, pour voilà, donner une petite touche, toujours dans cet effet d'agrandir le regard. Une fois que c'est fini, on jette son goupillon. Voilà. Et on va venir prendre notre pinceau pour le blush. Voilà, donc le blush, ça va permettre de venir donner de la couleur au teint. Une fois qu'on a terminé le travail du teint, surtout après la poudre, on peut avoir cet effet un petit peu fade sur le visage. Donc le blush, ça va vraiment venir rehausser, donner de la couleur, donner de la chaleur et surtout structurer le travail du teint. Donc là, pour le maquillage jour, pas besoin d'en prendre beaucoup. Alors moi, j'aime beaucoup travailler avec celui-ci pour le blush. C'est un pinceau poudre, mais qui est un petit peu plat, comme s'il avait été coupé. Ça permet de venir prendre notre matière.
Pareil, moi, je tapote toujours pour enlever l'excédent. Et je vais venir le travailler par petits cercles au niveau de la pommette. Donc, ça se sent au niveau de... N'hésitez pas avec votre main. Vous avez l'os qui est juste ici. Donc, en fait, on vient travailler vraiment sur l'os. Pas au-dessus, pas en dessous. En dessous, c'est trop bas, ça va venir fermer. Au-dessus, ça va être trop haut, ça va pas être équilibré et harmonieux. Donc, vraiment au niveau de l'os. Et on vient travailler par des petits cercles. Voilà, on monte, on descend pas trop bas. Et on essaie de remonter de façon à agrandir. Irène, si vous avez raté le début de ce live, c'est pas grave, hein, vous le regarderez en replay. Vous continuez de nous suivre là en direct. Et puis, vous le regardez en replay sur la plateforme. Et sur notre compte YouTube et notre compte Facebook. Donc si vous en prenez trop, voyez, moi, par exemple, ça s'est beaucoup marqué quand je l'ai appliqué. C'est pas grave, on vient l'estomper au maximum. Petit à petit, ça va se fondre à votre teint. Pas de panique. Vous pouvez même reprendre un autre pinceau poudre un peu plus petit. Et estomper le blush. Voilà, on vérifie toujours la symétrie, c'est important. Voilà. Voilà, c'est parfait. On termine notre maquillage par les lèvres. Donc pour le maquillage des lèvres, on rappelle, on commence par un contour avec un contour des lèvres, un crayon par exemple. Donc là, je vais utiliser un crayon, c'est pas celui-ci, c'est le rouge. Voilà, pour le contour des lèvres, donc on vient avec notre crayon, on va venir redessiner le contour des lèvres. Ça va permettre de corriger. Si vous avez, donc par exemple, Lorraine a une lèvre plus fine au niveau de la lèvre supérieure par rapport à sa lèvre inférieure. Donc le crayon va nous permettre de venir corriger et agrandir légèrement, donner plus de volume à sa lèvre supérieure. Et au contraire, au niveau de la lèvre inférieure, on va essayer de venir légèrement corriger au niveau des commissures pour donner un effet moins pulpeux, de façon à vraiment équilibrer les deux lèvres. Donc, pour le côté pulpeux au niveau du dessus de la lèvre, pour agrandir, on part du coin externe et on va venir travailler vers le coin interne. En fait, on va travailler, vous voyez, avec ce geste-ci, de façon à avoir quelque chose qui s'agrandit. On ne démarre pas du coin des commissures parce que c'est pas très joli quand on vient mettre au niveau des commissures. Donc, un petit peu avant, et on travaille, voilà, avec notre crayon. On n'oublie pas d'avoir toujours un crayon bien taillé. Chose que vous avez faite avant de commencer ce live. Exactement. C'est ça. Tout à fait. On a une question de Christelle qui nous dit « À quel moment utilise-t-on une poudre bronzante ?» Eh bien, il n'y a pas vraiment de moment. C'est-à-dire que, non, c'est totalement facultatif, hein, cette poudre bronzante. C'est vrai que nous, le jour de l'examen, on va privilégier effectivement un fond de teint à la couleur de la carnation du modèle et puis jouer sur une poudre voilà, quasi dans les mêmes teintes. Si toutefois vous souhaitez utiliser une poudre bronzante en guise de blush, sachez que c'est possible. Alors, on a Aurélie qui a loupé une minute, faute de batterie. Bon, ça peut arriver, Aurélie. Pour le mascara, il faut des goupillons jetables. Encore une fois, c'est pas obligatoire. Surtout si, en fait, le mascara, le jour de l'examen, est celui de votre modèle, vous pouvez l'utiliser directement. Mais vous pouvez également, comme l'a fait Prof Camille, utiliser un petit goupillon jetable. Voilà, donc une fois qu'on a fini donc de tracer le contour des lèvres, on vient légèrement colorer vers l'intérieur. Donc, on part de notre trait. Voilà, de façon à poser un petit peu la couleur et que votre crayon se fonde bien à votre rouge à lèvres parce qu'on n'a pas toujours la couleur exacte. Et quand on va appliquer le rouge à lèvres, si on n'a pas fait ça, on va se retrouver avec un contour des lèvres tracé et c'est pas forcément joli sur le rendu.
Je rappelle également que le contour des lèvres, il permet aussi à votre rouge à lèvres de mieux tenir, c'est-à-dire qu'il va éviter à votre rouge à lèvres de venir filer au niveau des commissures et aussi au niveau des petites ridules lorsqu'on en a. Donc une fois le travail terminé, on prend notre palette de rouge à lèvres, donc encore une fois la spatule, et on vient prélever notre couleur. Donc pas besoin d'en prendre beaucoup, encore une fois c'est un maquillage jour, donc on va pas mettre une grosse intensité, vous allez voir, on va venir estomper un petit peu le travail du crayon avec notre rouge à lèvres, et on vient prendre notre pinceau lèvres, on prélève. Et on vient remplir un petit peu. Voilà, on vient vraiment l'estomper avec le crayon pour mélanger les deux matières et avoir un dégradé parfait. Le point positif du pinceau lèvres, c'est qu'il est bien plat, bien carré. Donc, ça permet de venir travailler en précision. Voilà. Je pense, Émilie, en attendant qu'on peut passer, en attendant que Camille termine cette technique, on peut passer au top et au flop, n'est-ce pas ? Absolument. C'est parti. Les tops et les flops, c'est-à-dire ? Alors, on va vous donner quelques conseils, quelques astuces pour savoir où gagner des points le jour de l'examen et ce qui pourrait potentiellement vous en faire perdre. Alors, commençons par les tops. Alors déjà, la première chose, c'est d'être organisé et d'être concentré tout au long de l'épreuve. Ça, c'est quelque chose de très important. Ensuite, c'est de réaliser un joli dégradé d'ombre à paupières. Et pour cela, en fait, il faut impérativement que vous ayez pris l'habitude de vous entraîner régulièrement sur votre modèle afin de connaître parfaitement sa paupière et le geste. Faites également attention à conserver vraiment un confort modèle. C'est extrêmement important, le jury est vigilant par rapport à ça, c'est-à-dire toujours bien recouvert, des petits mouchoirs au niveau du col du modèle. Et surtout, respecter le temps. Donc, tout ça vous permettra de gagner des points le jour de l'examen. Ensuite, qu'est-ce qui peut vous en faire perdre ? Eh bien, tout simplement un hors-sujet pour le choix des produits et le choix des couleurs. Donc, lisez bien votre sujet. On a fait tout à l'heure référence à des couleurs, voilà, des couleurs complémentaires, des astuces pour le choix des couleurs. Donc, soyez vraiment vigilante là-dessus. Ensuite, ce qui pourrait également vous en faire perdre, c'est le manque de précision dans les techniques. Soyez vraiment minutieuse, appliquée, travaillez avec parcimonie et surtout faites attention également à l'économie des produits. Autre chose, on va quand même vous donner une grosse astuce parce que malheureusement, ça vous arrive. Heureusement pas souvent, mais ça peut arriver le jour de l'examen. Il ne vous reste que 5 minutes avant la fin de l'épreuve. Qu'est-ce qu'on fait, prof Camille ? Qu'est-ce qu'on fait ? On fait un travail du teint très rapide. On très, très rapide. Une poudre. Une poudre, exactement. Voilà, tout simplement. Une poudre, ouais. Un peu de mascara, c'est ça. Un rouge à lèvres. Ah oui, et alors là, sans contour, sans rien. On essaie de gagner du temps. On s'aide avec le pinceau, comme je vous ai dit, qui est très fin. Donc, c'est assez précis, c'est pas grave. On y va exactement. Et on applique le rouge à lèvres. Tout à fait. Donc voilà pour ces tops et ces flops. Merci, prof Émilie. Alors maintenant que le travail des lèvres est terminé, bon, il fait très chaud ici, donc j'ai remis un petit peu de poudre à Lorraine pour matifier son teint. Donc on a terminé le maquillage jour et on va pouvoir donc passer au maquillage soir. Donc pour le maquillage soir, je vais tout simplement revenir travailler le dégradé puisque la seule différence, ça va être donc au niveau du dégradé, mais aussi au niveau du teint, c'est-à-dire qu'au niveau du teint, on va appliquer un fond de teint stick pour un maquillage soir. Donc là, le teint est déjà fait, donc je ne vais pas venir le retravailler avec le fond de teint stick, mais n'oubliez pas le jour de l'examen, on attend que ça soit un fond de teint plus couvrant pour le maquillage soir, puisqu'il faut qu'il soit adapté à une lumière plutôt artificielle. Pour le travail du dégradé au niveau des yeux, on a besoin de mettre un peu plus d'intensité. Donc cette fois-ci, je reprends ma palette, qui est celle-ci, et je vais reprendre donc mes deux couleurs, sauf que je vais venir ajouter une couleur plus foncée qui va permettre de venir intensifier le coin externe. Donc ma deuxième couleur, je vais venir la décaler un petit peu vers l'intérieur
Hop, je reprends mes pinceaux de tout à l'heure. Voilà. Donc, je vais demander à mon modèle de refermer ses yeux. On reprend la couleur intermédiaire que je vais légèrement décaler vers l'intérieur de l'œil. Voilà, je prends mon pinceau, je viens l'estomper légèrement. Voilà, pas besoin de la travailler davantage parce qu'on cherche vraiment à avoir de la pigmentation sur le maquillage soir. On veut un joli dégradé coloré. Je fais de même avec l'autre œil. Donc toujours un petit peu en diagonale. Voilà, et je vais venir prendre ma couleur foncée avec un troisième pinceau, un petit pinceau, voilà. Et je viens la poser en coin externe par-dessus la deuxième couleur. Voilà, encore une fois, légèrement en diagonale. Et cette fois-ci, on va l'étirer un petit peu plus vers le haut. Voilà. On n'oublie pas de reprendre un pinceau neutre et d'estomper notre couleur. Voilà, je fais de même sur l'autre œil. Et je viens estomper. On fait attention à ne pas trop monter la matière. On ne veut pas aller jusqu'au sourcil. Alors, ouvre tes yeux. Super, super fermé. Donc, on vérifie œil ouvert. Et si besoin, on vient corriger la symétrie entre les deux. Là, je vais davantage avancer ma couleur intermédiaire pour que ça soit plus équilibré et qu'il y ait moins de couleurs claires. Je prends mon pinceau et je viens estomper. Alors Camille, est-ce que vous pouvez faire un tout petit pas sur le côté afin qu'on puisse bien voir, voilà, le résultat? Merci, parfait. Donc la prof Camille va vous montrer comment en 10 minutes, on peut transformer un maquillage jour en un maquillage soir. Vous allez voir. Gros challenge. Allez, challenge. Allez. C'est parti Camille. Hop, voilà, ouvre les yeux. Très bien, tu peux les refermer. Alors, ce que je vais faire également, c'est venir reprendre mon pinceau avec ma couleur claire. Cette fois-ci, je vais venir prendre une petite touche de rose, très léger, et je vais légèrement adoucir le beige pour que ça soit plus harmonieux avec le reste. Vraiment juste à la jonction. Ici, voilà, je viens dégrader les petits parfums. Nous avons une question d'Amélia qui nous demande, est-ce qu'il y aura des maquillages hommes à l'examen? Non Amélia, non, absolument pas, puisque votre modèle sera obligatoirement féminin et majeur. Voilà, donc maintenant que j'ai fini sur la paupière du dessus, je viens retravailler, comme tout à l'heure, en fait, la paupière du dessous. Et cette fois-ci, je reprends ma couleur intermédiaire avec l'autre pinceau. Voilà. Cette fois-ci, je vais l'étirer un petit peu plus, on va dire aux trois quarts de l'œil.
Voilà. Je prends ma couleur foncée. Et pareil, légèrement. Je viens fermer, en fait, tout simplement mon dégradé. On vérifie la symétrie entre les deux. C'est parfait. On met une petite touche de fard clair sur l'intérieur de l'œil. Voilà. Super. Alors, on va en profiter. On a quelques petites questions. On a Cindy qui nous demande, donc, il faut que notre modèle soit disponible sur les jours. Pour l'interrogation, oui, effectivement, Cindy, il faut que votre modèle puisse se rendre disponible. Et faut-il que ce soit le même modèle? Eh bien non, pas forcément. Encore une fois, j'apporte une nuance à ma réponse, puisque avec les conditions Covid l'année dernière, il fallait que ce soit le même modèle pour le matin et les épreuves de l'après-midi. Exactement. Donc, on attend d'avoir plus d'informations à ce sujet. Tout à fait. Et tout est stipulé sur les convocations de toute façon. Exactement. Alors, pour le maquillage soir, on vient travailler notre ratio, cette fois-ci avec l'eyeliner. Donc l'eyeliner, vous pouvez l'avoir sous différentes formes. Là, moi, c'est un pinceau, donc avec une texture plutôt liquide. Vous pouvez les avoir sous forme de cake. Vous pouvez les avoir également sous forme de crème. Donc là, après, c'est comme vous voulez. Il y a même des feutres. Moi, j'utilise parfois des feutres eyeliner. Donc voilà, c'est comme vous le souhaitez. Faites vraiment avec des produits avec lesquels vous êtes à l'aise. Hein. On demande à ce modèle de bien fermer les yeux et on va venir, encore une fois, légèrement soulever la paupière et travailler au ras de cils. On démarre du coin externe vers l'intérieur et on essaye d'être assez rapide. Pourquoi ? Parce que on a tendance à trembler un peu sur l'eyeliner et nous, ce qu'on souhaite, c'est un joli trait bien net. Voilà, une fois qu'on est à peu près à la moitié, on va venir cette fois-ci de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, moi, j'ai quand même envie de dire que pour celles qui ne souhaiteraient pas mettre d'eyeliner pour un maquillage soir le jour de l'examen, si vous vous le sentez pas, j'ai envie de dire qu'il faut pas prendre ce risque. Optez davantage pour une ombre à paupières noire.